Depuis quelques semaines, de nombreuses personnalités monégasques se laissent pousser la moustache. Une nouvelle tendance qui n'est pas sans rappeler le look du prince Rainier. On le sait, en ce mois de novembre, bon nombre de personnalités masculines soutiennent le mouvement Movember consistant à se laisser pousser la moustache pendant un mois afin de sensibiliser au cancer de la prostate. Ces dernières semaines, Pierre Casiraghi, Louis Ducruet ou encore Albert de Monaco ont été surpris avec une moustache alors qu'ils sont habituellement rasés de près. Il n'en fallait pas plus pour soulever la question suivante, pour quelle raison est-ce les célébrités monégasques se laissent pousser la moustache? Si on peut y voir un soutien au mouvement Movember, on peut également penser qu'ils veulent tous rendre hommage au prince Rainier. Le prince Rainier III de Monaco, père du prince Albert de Monaco, arborait une jolie moustache et ce, depuis ses 60 ans afin de camoufler sa calvitie précoce. On peut donc penser que les hommes du Rocher tentent de remettre ce look au goût du jour afin de rendre hommage à celui qui a dirigé Monaco pendant 56 ans. Une longévité à l'origine de son surnom de prince bâtisseur. Nos confrères de Monaco Matin pensent savoir, quant à eux, qu'Albert de Monaco a opté pour une moustache pour une autre raison. Le souverain rend ainsi hommage aux carabiniers, dont la compagnie fête cette année le bicentenaire de sa création. Il y a un siècle, la moustache était légion au sein de la compagnie des carabiniers du prince, explique la publication. Albert Ier et le prince Louis II auraient également rendu hommage aux carabiniers de cette manière. Visiblement, Albert de Monaco y a pris goût.